Hi, I'm Gaëlle, the host of Language Talk Slow French. 99% of this podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languagetalk.com/frenchpod, you can read an interactive transcript as you listen. Here you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LanguaTalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une grande femme française qui est morte en 2017, donc il y a 4 ans, et cette femme s'appelle Simone Veil. So today we're going to talk about a really big female figure in France. Her name is Simone Veil. And she is very famous in France, but probably not really well known abroad. So that's why I would like to introduce you to her. She died in 2017, so only 4 years ago. And I think it's appropriate to brush a little portrait of this amazing woman. Bonne écoute. Simone Veil était une femme politique française et elle est restée dans les mémoires. Ça veut dire on se rappelle de son nom. Même moi, par exemple, mais je suis jeune, mais je connais son nom pour deux choses très importantes dans sa vie. La première, c'est qu'elle est une rescapée des camps de concentration nazis, c'est Auschwitz. Elle était internée pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration. Et la deuxième raison pourquoi elle est très célèbre et très connue, c'est parce qu'elle a fait passer une loi, so she helped a law to be voted in the parliament, et cette loi, c'était pour la légalisation de l'avortement. So today we're going to have quite a lot of vocabulary, quite specific, but don't worry, I'm going to give the translation as we come across them. Donc une loi, a law, pour la légalisation de l'avortement, so to legalize abortion. Et cette loi s'appelle la loi Simone Veil. Je vais faire une petite biographie chronologique en commençant avec son enfance et l'épisode tragique et dramatique de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, nous verrons sa carrière de femme politique. Commençons avec son enfance et la partie la plus dure et la plus tragique de son histoire. Donc Simone est née en juillet 1927, à Nice, c'est une ville dans le sud de la France, et dans une famille juive. So we can already see what is going to happen. 1927, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans une famille juive, quand la France a été envahie par l'Allemagne et a perdu face à l'Allemagne, le gouvernement français, qu'on appelle le gouvernement de Vichy, et c'est un gouvernement collaborateur, donc ils ont aidé le régime nazi, avec notamment la Gestapo, qui était une police spécialisée dans la recherche des juifs et dans la recherche des résistants. En 1944, quand Simone avait 16 ans, elle a été arrêtée par la Gestapo. Donc elle, sa mère et sa sœur se sont faites arrêter et elles ont été déportées. Ça veut dire que le régime nazi les a envoyées dans un camp de concentration, ce concentration camp, et malheureusement le plus célèbre, Auschwitz. Elles sont restées dans ce camp pendant un an et sa mère est morte dans ce camp. Quand les Alliés ont commencé à avoir de plus en plus de victoires contre le régime nazi, les Allemands ont évacué le camp de Auschwitz, donc tous les prisonniers sont sortis du camp. C'était en janvier 1945,
so a few months before the end of the war, really. Et on appelle ça la marche de la mort, parce que les militaires allemands, les militaires nazis, ont forcé les prisonniers à marcher pendant des jours et des jours et des jours pour traverser la Pologne et l'Allemagne. Et cette grande marche a été mortelle pour beaucoup, beaucoup de prisonniers juifs. Simone et sa sœur ont survécu. They survived. Se survécu. Ils devaient survivre. Mais leur mère est morte pendant cette marche. Et elles sont rentrées en France, donc Simone et sa sœur, le 23 mai 1945, donc juste après la libération, juste après la fin de la guerre en Europe de l'Ouest. Et cet épisode de sa vie, vous pouvez imaginer, a été très traumatisant, vraiment atroce. On connaît la réalité des camps de concentration. Et ça a énormément marqué la personnalité de Simone. Et elle a trouvé une très grande force. So she really took her strength in her life from that terrible dramatic episode of her life. Simone, son nom de famille, c'était Simone Jacob. Quand elle est rentrée en France, elle a décidé de recommencer ses études. So she went back to her studies. Et elle a décidé d'étudier le droit. Le droit, c'est the law. Et pendant ses études, elle a rencontré son mari, Antoine Veil. C'est pour ça qu'elle s'appelle Simone Veil. Ils se sont mariés. Donc, elle avait seulement 19 ans. Pour moi, je trouve ça incroyable parce que se marier à 19 ans maintenant, à notre époque, c'est très rare. Mais elle avait 19 ans, Antoine avait 20 ans et ils ont eu 3 enfants ensemble. Si on regarde déjà cette partie de sa vie, beaucoup de choses se sont passées avec un passé très traumatique et maintenant elle est une femme, elle est mariée, elle a des enfants. On pourrait penser que la vie s'arrête un peu là. Elle devient une mère et ça devient son rôle. Mais non, Simone Veil est une femme incroyable. Elle décide de devenir une femme politique. Elle finit ses études de droit et elle passe un concours. So, un concours, c'est comme un examen. Le concours de la magistrature, so, pour devenir une magistrate, so magistrate. Avant, ce concours était interdit aux femmes. Les femmes ont le droit d'essayer ce concours seulement depuis 1946. Donc ça ne fait pas très longtemps. Simone Veil est une des premières femmes à passer le concours de la magistrature. Pendant plusieurs années, elle devient haut fonctionnaire, donc a high civil servant. Donc elle travaille pour l'État, for the state, avec différentes fonctions. Et Simone Veil est une femme très impressionnante. C'est une femme qui est souvent la première femme pour beaucoup de choses. For a lot of things, she is the first woman. She is the first woman who's ever done it. Par exemple, c'est la première femme qui devient secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. You don't really care about the name, it's just, it's a big title. Elle devient aussi la première femme ministre d'État. So it means it's a state minister. C'est une fonction hiérarchique très importante. C'est aussi la première femme présidente du Parlement européen. So it's the European Parliament, en 1979. Donc c'est une femme très moderne et qui n'a pas peur de travailler avec des hommes dans un environnement, dans un milieu masculin.
Je vous disais dans l'introduction, elle est très connue, son nom est très connu pour deux choses, pour son histoire dramatique avec le camp de concentration et une loi très spéciale sur la légalisation de l'avortement. Avortement, we said abortion. En 1974, elle intègre le gouvernement de Jacques Chirac. Ce Jacques Chirac, c'était le premier ministre, et à cette époque, le président de la République s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Both men are dead now, but you might have heard in the news recently because they died recently. Et en 1974, Simone Veil était la seule femme ministre de ce gouvernement. Donc vraiment, elle travaillait en permanence, tout le temps, avec des hommes. En France, c'est le premier ministre qui nomme les ministres. Donc c'est le premier ministre qui dit à un homme ou une femme, voilà, tu as le ministère de la justice. Voilà, tu as le ministère de l'éducation. Et Simone Veil a obtenu le poste de ministre de la santé, the health minister. À cette époque, donc au début des années 70, une question très importante dans la société était la question du droit des femmes, the women's rights, et la question de l'avortement était une question crucial. C'était un point très important dans la société civile et le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a chargé Simone Veil de ce dossier, donc of this case, et c'était un dossier très dangereux, très difficile, parce que en France, comme dans presque tous les pays, la question de l'avortement est une question très complexe, avec beaucoup d'opposition et beaucoup de division. Et Simone Veil a plaidé pour ce dossier devant le Parlement et elle a réussi. Grâce à Simone Veil, la loi pour légaliser l'avortement a été passée. So the law was voted at the Parliament and it's really thanks to her. It's really thanks to a very famous speech that she gave in front of the parliament that the mentality changed. Donc Simone Veil, on se souvient d'elle maintenant comme d'une très grande féministe, une femme qui a travaillé, qui a œuvré pour aider les droits des femmes, so women's rights. Ce point était le point crucial, l'apogée peut-être de sa carrière politique, mais après, elle a fait d'autres choses très intéressantes. Elle a fait une carrière européenne. Et ça, ça nous apprend beaucoup de choses sur sa personnalité. Donc nous sommes dans les années 70-80, ce n'est pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons dit, Simone Veil est une rescapée des camps. She survived the camps et elle n'est pas devenue hostile aux Allemands, pas du tout. Au contraire, elle a considéré que l'Union européenne, donc cette nouvelle idée de fraternité et de entente entre les pays en Europe, était essentielle. Elle pensait que c'était la seule solution, la seule option pour que une catastrophe comme la Seconde Guerre mondiale ne recommence pas. So she really had big hopes and she really believed in Europe as a political thing to really avoid any more disasters like the Second World War. Et donc elle a beaucoup travaillé pour l'Europe. Et elle a été la première femme présidente du Parlement européen en 1979. Et je pense que c'est
un symbole très fort qu'une femme qui a souffert sous le régime nazi, le régime allemand nazi, eh bien, elle n'est pas restée dans la colère. She didn't stay with her anger or resentment. Elle a décidé de travailler pour la réconciliation, de travailler pour l'entente. Et je pense que c'est très impressionnant. Et parce qu'elle était une rescapée des camps, elle a eu beaucoup, beaucoup d'admiration et de respect de la part de ses partenaires politiques, mais aussi de la population française en général. Et à la fin de sa vie, donc Simone Veil, maintenant son nom est très célèbre parce que la loi pour l'avortement s'appelle la loi Simone Veil, donc elle est très célèbre, et en 2008, elle est entrée à l'Académie française. L'Académie française, c'est une institution culturelle en France qui détermine, par exemple, quels sont les bons usages de la grammaire et de la langue française. Et pour rentrer à l'Académie française, c'est une élection et c'est un nombre très limité de personnes. Donc en 2008, elle est rentrée à l'Académie française. Donc c'était un honneur de rentrer dans cette institution. Et comme je l'ai dit, elle est décédée, elle est morte en 2017. Et juste après sa mort, le président de la République a décidé de faire rentrer son corps, so her bodies, dans le Panthéon. Le Panthéon, c'est un lieu à Paris où sont enterrés, ou buried, ou kept, des personnalités très importantes pour l'histoire de France. Par exemple, il y a Marie Curie dans le Panthéon, mais il y a aussi des gens comme Racine, donc des grands philosophes, des grands hommes politiques. Et ça, c'est un immense honneur de rentrer au Panthéon. Et dans le Panthéon, il y a seulement 4 femmes. Tous les autres sont des hommes. Donc, Simone Veil est la 4e femme à être rentrée au Panthéon. Right, it's almost the end of this episode, so I'm gonna do a quick summary in normal pace French, and I hope you can follow me. Good luck. Simone Veil est une femme politique française exceptionnelle. Elle est née en 1927 à Nice, dans le sud de la France, dans une famille juive. Et malheureusement, elle est née juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, quand elle avait 16 ans, elle a été arrêtée et déportée par la police politique, la Gestapo. Et elle est allée dans un camp de concentration tenu par les nazis, Auschwitz. Heureusement et par miracle, elle a réussi à survivre à cette déportation et à cet internement, et elle est revenue en France avec sa sœur en 1945, après la libération. La personnalité de Simone Veil est très impressionnante parce qu'elle n'a pas été détruite par cet épisode dramatique de sa vie. Au contraire, elle en a tiré beaucoup de force et elle a décidé de mener une carrière politique, bien qu'elle se soit mariée et ait eu 3 enfants, mais ça ne l'a pas arrêtée, ça ne l'a pas empêchée de mener une vie professionnelle et une vie politique. Donc elle a d'abord été magistrate et ensuite elle est rentrée au gouvernement sous le président Valéry Giscard d'Estaing. Son résultat le plus marquant, c'est ce qu'on appelle la loi Simone Veil, qui est une loi pour légaliser l'avortement, qui date de 1974. Ensuite, elle a une carrière politique au niveau européen très importante et elle a été la première femme présidente du Parlement européen. Et suite sur la fin de sa vie et à sa mort, sa postérité donc ça s'est confirmée puisqu'elle est rentrée à l'Académie française et ensuite à sa mort au Panthéon, ce qui est un honneur absolu en France. And now we back to slow French. J'ai voulu vous parler de Simone Veil parce que c'est une femme française vraiment exceptionnelle qui avait une vision politique
très forte et qui a vécu des choses très terribles dans sa vie, mais qui en a tiré sa force. Et ça, je pense que c'est très inspirant. Mais surtout, Simone Veil restera dans les mémoires pour son action féministe, pour son rôle dans le droit des femmes avec la légalisation de l'avortement. J'espère que cette personne vous aura inspiré et j'espère que vous aurez appris des choses intéressantes sur cette femme, Simone Veil. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out LanguageTalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at LanguageTalk.com/FrenchPod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine.